Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment insérer un lien hypertexte dans un diaporama. Alors, le lien hypertexte est tout simplement le renvoi à un site internet, c'est-à-dire que l'on va cibler un endroit d'une diapositive, un lien avec internet. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par insérer une nouvelle diapositive. Voilà. Nous allons, comme d'habitude, recopier le titre. Donc, je clique sur le titre, copier, coller, en utilisant le clic droit. Et je vais ici insérer une forme en indiquant que ce sera le site internet. Exemple, ce petit bouton. Voilà. Alors, je vais peut-être changer sa couleur. Tout ça, c'est de l'habillage. Et puis, je vais insérer du texte en indiquant que ça va être le site. Le site. Alors, on va modifier un petit peu la police, mettre ça à 28.32. Voilà, et on va centrer. Donc, je sélectionne mon petit bouton. Et ce bouton, donc, je vais aller insérer un lien hypertexte. Vous voyez, c'est pas très compliqué, il suffit de suivre le menu. En bas, PowerPoint me demande l'adresse internet de ce site. Donc, je vais la saisir. Donc, c'est HTTP. Vous voyez, je l'avais saisi avant pour vérifier que tout fonctionnait. Donc, il vient de me la remettre. Donc, c'est HTTP, puis campingmayan.vicheo.com. Il me reste à valider. OK. Donc, pour voir si cela fonctionne, comme d'habitude, on va dans Diaporama. On va à partir de la diapositive actuelle. Et vous voyez qu'en passant sur le bouton, le nom du site apparaît. Donc, je n'ai qu'à cliquer. Et cela me donne directement rendez-vous sur le site du camping pour lequel j'ai fait le petit diaporama. Donc voilà, je vous remercie de cette écoute de cette leçon et je vous donne rendez-vous à bientôt.